Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins sport pour ce lundi le 14 août. Nous commençons avec sport national. Après draw pour bon sport par l'équipe qui pouvait sa 11e jeu des îles qui ne fait semaine passée. À présent, c'était fixtures, bon match in sortie. À travers sa reportage, Vitana Gabriel, nous voyons un petit peu bon match Team Seychelles dans football, basketball 5 contre 5, handball et volleyball. Mais nous n'avons pas de fixtures pour basketball 3 contre 3. Football on rappelle que c'est Céline tombe dans poule A ensemble avec pays organisateur Madagascar ainsi bien que Maurice. C'est celle pour jouer son premier match samedi le 24 contre Madagascar. Match expecté commence à partir 8h du soir à l'ESSL. Son deuxième match pour son lundi le 28 contre Maurice. Encore là pour commencer à partir 8h du soir. Les deux équipes qui finit premier de sa groupe y qualifiées semi-finale. Le côté handball, nous l'équipe femme pour démarrer la compétition samedi le 26 août contre Bonne Malgas, ça pour partir dès après-midi. Après ce deuxième match pour lundi le 28 contre Comore. Et ce dernier match groupe pour mardi le 29 contre Maurice, c'est celui dans Coupe A. Par contre, l'équipe zone handball CC tombe dans poule B ensemble avec La Réunion et Mayotte pour cette compétition pour commencer dimanche le 27 avec match contre La Réunion. Et après ce deuxième match pour contre Mayotte le 30. Basketball 5 contre 5, l'équipe femme CC est dans poule B à côté de Réunionnais et Maldivien. Samedi le 26, bonne femme cécéloise pour une action contre Maldives. Et après son lendemain le 27, autres pour jouer contre La Réunion. Nous, l'équipe zone aussi, est dans poule B. Zot pour à côté Mayotte et Maurice. L'équipe Zom pour jouer son premier match le 29 contre Maurice. Et après les 30, Zot pour face contre Mayotte. Le côté volleyball, l'équipe femme Cécile qui pour 3 jouets consécutives une finit champion l'océan Indien. Et dans groupe B avec Maurice et Maldives. Cécile pour commencer à défendre son titre dimanche le 27 août contre Maldives. Après les 29, Zot pour face contre Ban Mauricien. Tandis que l'équipe Zom, qui dans le dernier souhait, est fini troisième, zot aussi zot dans poule B, à côté champion Maurice et Comore. Bonne Zom, c'est loi pour jouer son premier match samedi le 26 contre Comore. Après son deuxième et dernier match pour les 29 contre champion Maurice. Dans la voile, le week-end passé, tu vois de la course dans la deuxième série pour sa l'année, connu comme Cup B. Un total 6 la course, si font pas sa N série. Tiennent en catégorie optimiste pour bonne plaisir. ILC est fort pour filles et garçons et ILC est 6 pour bonne athlète plus expérimenté. Divan peut souffler environ 10 nains qui est considéré assez faible pour sa compétition. Dans la catégorie optimiste, en tout, tiennent 10 participants qui participent dans sa 6 la course. Avec un total 4 fois premier et 2 deuxièmes, c'était Odishas Melanie qui finit comme champion. Tandis que Joshua Alcon il finit comme vice-champion et Leandro Larry il finit troisième. La course ça du chasse OK sur mon diva pendant de mon faveur mon arrive faire les sorties pour moi. On blisa travail bon défaillance et mon quoi next week mon pour venir plus fort. De catégorie il ca 4 pour bon garçon, un total 6 participants qui présent. C'était Luca Mazzocchi qui sorti comme vainqueur. Côté à la fin, il finit 4 fois de première position et 1 fois de 4e position. Et de deuxième position, c'était Enzo Lavigne, suivi par Tim Figaro. Merci, mon start, Maurice, bien. Merci, mon point, mon bon chiffre, bien. La course, ça c'est OK. Mon content. De catégorie pour bonne fille, Alison Wao, il finit premier au classement avec 3 premières positions et 1 deuxième position. Elle a Constance et Samantha Ford, il finit de deuxième et troisième position respectivement parmi 5 participants. Je suis pas trop mal allé pour ça, l'intensité du vent. Je ne suis pas trop bien, je ne suis pas trop satisfait. Mais à côté, je suis expecté pour un plus compétiteur pour là. Et, oui. Le calendrier, là, on a National Championship qui peut venir et j'ai besoin de préparer en termes mentalement, physiquement et j'ai besoin de focus beaucoup sur mon fitness. Je travaille beaucoup au fitness et aussi pour les champions de technique. Et si tu es en regional competition, je vais venir Maurice. Et si je fais mon training, je vais me poser, je vais vraiment bien.
et la Constance examen ta fort y finit de deuxième et troisième position respectivement parmi cinq participants. Pour Ilka 6, Jaden Vido y finit premier quand il finit quatre fois de première position suivi par Laurent Cotoré et Dominique Labosse. Pour finir saison, le classement final, c'est Luca Mazzocchi qui premier, Rodney Govinden deuxième et Roy Govinden troisième. Nous continuons bulletin pour nos dernières saisons nationales et ça y football avec bi fait bonnes enfants intéressés dans football pour qui à l'avenir il y en a la relève et compétition appelée Island Kids Cup qui fait le pralin tout récemment. Là une dizaine d'équipes sorti partout aux Azilles qui participer côte à la fin bonne qui t'y sorti vainqueur qui gagne la coupe qui aussi en a un prix individuel. En tout, un total 10 équipes tiendront l'appel pour sa première compétition Island Kids Cup. Ça y est, l'initiative un groupe l'entraîneur qui montre bonnes enfants ce football devant différentes communautés, bonnes sous-districts, l'opralin. L'idée, c'est pour un peu de influencer par bonne négativité la vie tous les jours. La compétition se déroule dans trois catégories l'âge, en bas 8, en bas 10 et en bas 12 ans. Compétition se déroule loin base ligue, veut dire toute l'équipe qui joue contre camarades. Et après les deux premiers de sa groupe, qui joue cross knockout dans semi-finale, et bien si après gagnant, il qualifie finale. Dans plus petite catégorie, ça y a baritan, tenant seulement deux équipes, Sati Uprising Stars et Côte d'Or Youth, pour autres compétitions type plus direct, les fêtes qui tiennent six des autres, je direct finale. Là, c'était Uprising Stars qui était plus fort, Zot batté 3 goals le 0. Catégorie en bas 10 ans, tenant 5 équipes, Uprising Stars, Grand Ans Pralin Primaire, Pralin Youth, Beginners et Côte d'Or Youth. Quelque chose de intéressant dans cette catégorie. Côte là, c'était Grand Ans Pralin Primaire et Uprising Stars qui étaient les deux dernières équipes qui étaient bataillées. Après 10 minutes de football, le score est égal un partout. Donc, penalty qui besoin de mêler. Là, c'était Grand Ans Pralin Primaire qui étaient licenciés. Ils ont battu 3 lodés. Côte d'Or Youth, Grand Anse Pralin Primaire, Pralin Youth et Beginners, qui sa 4 l'équipe dans catégorie en bas 12 ans. C'est une catégorie qui voit participation bonne fille qui mélange avec bonne garçon, les fêtes qui tiennent en 10 et l'équipe fille. Tu parais que bonne équipe Grand Anse Pralin Primaire est vraiment en forme parce que autres pour montrer leur supériorité, le Côte d'Or Youth pas faire victoire écrasant 9-0. Bon organisateur, il est bien satisfait avec participation. Les enfants sont même, ils sont bien contents, ils sont bien excités depuis avant. Tu vois ça, l'excitation, comment ils sont connus pour dire qu'ils peuvent participer. Et aujourd'hui, la journée aussi, on a tout quelque chose qui déroule bien. On a des enfants, ils ont bien participé, ils ont have fun, ils ont enjoy l'école. À part de meilleure équipe, tu as aussi un prix pour une meilleure soirée dans sa catégorie. En baritan, c'était Liad Barreau qui était meilleur. Kayden Radegon, lui, était meilleur dans la catégorie en bas 10 ans. Tandis que Kotra Degon, Tissan N, qui nous plie bien dans la catégorie en bas 12 ans. L'honneur pour meilleure joueur fille dans sa tournoi, Tial pour Shanice Dorby. Après succès sa première édition, Eskiman organisateur Pemasin fait sa activité Vin N Aniel. Pareil toute activité nous prenons nous post-mortem, so from nous post-mortem, là nous pour décider quand nous pour organiser, si nous pour faire tous les trimestres ou une fois par l'année. Et oui, c'était sa bonne assise qui nous fait sa bulletin aujourd'hui. Il nous fait moi très grand plaisir pour avec vous. Je nous l'équipe demain. Bien sûr, après bulletin nouvelle en créole. Bonsoir.